Salut les gars et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans un parking, ça va être un nouveau format. Une variante de vue dans la rue, ça sera vue dans le parking. Je vais me promener dans des parkings, aller les visiter parce que je sais qu'il y a souvent des voitures plutôt très sympas. Je viens d'en trouver deux, donc ça sera une vidéo relativement courte. Une petite Aston, un petit Mercedes classé. Avant de jouer le monde, pensez juste à vous abonner, à liker et à partager. Je suis nouveau sur YouTube, ça pourra vraiment m'aider, merci beaucoup. Et c'est parti. Et là voilà, elle est juste magnifique. J'adore les jantes sur les voitures, je pense que vous allez le comprendre rapidement. Donc 21 pouces de ce que j'ai pu lire, je pense que c'est marqué là, mais si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. DBS, voilà, ça se voit directement, super Leggera, marqué sur le capot, marron, le capot est juste énorme. Aston Martin, évidemment là il va falloir que je foute tout pour le parking, les plaques. Elle est vraiment magnifique, elle est magnifique. L'intérieur, ça ressemble à ça, vraiment. C'est comme la Ferrari Roma de Vue dans la rue. Il doit vraiment y avoir des angles morts qui doivent être immenses et on ne doit pas voir grand-chose quand on est dans la voiture, hormis les portières bien filées. L'arrière, je peux pas être plus au fond parce qu'après, il y a le mur et la luminosité, déjà, ne doit pas être incroyable au rendu caméra. Mais ça donne ça. Et les sorties d'échappement, tu ne vois pas grand-chose à la caméra non plus. Bon. Aston Martin DBS. Au niveau des infos techniques, on est sur un prix de base à 316 000 dollars. Plutôt pas mal. 715 chevaux et un moteur de 5 litres de V12. Ce qui est plutôt génial. 0 à 103,8. Et c'est tout simplement ahurissant. Et voilà ce que j'ai aussi vu, ce magnifique Classe G. Comme le premier vu dans la rue, encore un Classe G, mais c'est génial comme voiture, je trouve ça incroyable. C'est d'une inutilité dans Paris, mais j'adore tout ce qui n'a aucun sens. Là, tout est, hein, il est en noir mat, donc on a le V8 biturbo AMG encore. On est sur la même config au niveau des jantes, 22 pouces. AMG avec le disque en rouge, comme sur notre modèle. Le 3 quarts arrière, ça donne ça. Toujours le G63, comme sur le modèle blanc que je vous ai montré dans l'autre vidéo. Les gros clignotants qui permettent de se guider. Voilà, le nouveau Mercedes AMG. Et tout ce qui est lidar, je pense, enfin c'est la mesure, il doit être rentré dans la plaque avant. Et vraiment, je la trouve plutôt bien intégrée. On a le lidar, c'est ce qui permet de lire tout ce qui est panneaux de signalisation, tout ça. Et juste au son de la caméra, c'est plutôt bien fait. Le petit logo AMG. Le 3 quarts avant. Et donc ça reste quand même un G63 AMG. Même pas tous les jours qu'on en voit, je pense, à part si on est tous les jours sur la champ, il y a plus de chance, ou dans le désert, mais sinon le reste du temps on n'en voit pas non plus très souvent. C'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo. Donc le G63 et la Aston Martin, je trouvais plutôt sympa ce parking. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je sais, c'est très rapide, j'ai eu juste l'autorisation de filmer, donc très rapidement. Il va falloir que je floute après tout, toutes les indications. J'espère que ça vous plaira quand même. Et le prochain, normalement, vu dans le parking, sera quand même plus long. Sur ce, j'espère quand même la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo et cette chaîne YouTube. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. En vous souhaitant une très bonne journée ou une très bonne soirée. Allez, bye bye.